arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a petit pote, c'est beaucoup de nouvelles vidéos sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, tout simplement pour monter champion suprême, les gars. Alors, on va le faire avec mon main deck, et puis, juste let's go. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, à pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. Et on part à cette première game contre Alberti Kaerloz. Alors, pour un chevalier d'or. Ouais, petit D2 ici, tranquillement. Oh non, s'il vous plaît, pas d'Arkix. Oh, bah what? Il a pas tapé les archers? Cimetière, bah oui, évidemment. Bon, moi aussi je peux cimetière comme un débile, voilà. Hop. Ils ont tous des cartes aussi casse-couilles. Bah, il a un chef encore, hein. Là il est désarché, il a... Oh ouais, MG, c'est trop chiant. On se parle, allez. Ok, un peu un chevalier d'or, un dernier coup. Bon, je vais assumer le coup, je pense. J'ai peut-être juste pas besoin. Ah, ça c'est nice. Je sais pas, ça dépend s'il met des archers. Ouais, il met archers, puis il y a de la cyclée. Ça c'est cool. Cool, cool. Et il va mettre un truc au pont, genre Valkyrie ou un truc comme ça, il va à cimetière, c'est ça hein. C'est encore plus grave que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il a Valkyrie, il a un cimetière sur une archère, genre. Bon. Une condition, ça va être le bourreau. Puis c'est tout. Hein. Je pense qu'il a un gel, mais pourquoi il a pris ce poison? Mais je vous jure, ils sont trop cons les gens. Hein. Oh mais il est trop con. Je m'en vais là. Décidément, voilà. Hop. C'est offert par la maison. Paf, et voilà, c'est le GG. Ah ouais, c'est con, c'est cimetière, parce que s'il a pas de gel, en plus, ça sert à rien, genre. Allez, sorti contre Auron. J'ai des bons montages, j'ai pas forcément joué, donc bah juste en entendant sur deux, je vous retrouve quand le mec a joué, tout simplement. Ok, bon, nous voilà en exerce x2. Ok, pas un PK fondant, on va partir en blitz alors. Je vais laisser un zapis de... avec, ok, ballon. Bon, il a tous les zapis, j'ai un peu l'air d'avoir split. On va partir en D2. Est-ce que ce serait pas par hasard le deck d'Alaban? Possiblement. Oh merde. Ah ouais, non, mais là je suis un boulet. Ah ouais, non, mais là je fais pas d'effort. Bon. Bah, bonne chance à moi, il a pas de sort, donc c'est possible, c'est remontable, mais bonne chance à moi. Hein.
côté gauche. Je pense que c'est attendu en vrai. Je pense que c'est genre giga obvious. Attends, il y a 5 éléphants. Ouais, mais sort de gel trop fort. Ouais, sort de rage, je veux dire. Ah ouais, pas trop fort, mais j'ai plus un peu, mais... Ouais, ouais, je pense qu'on peut la win large. Ok, bon, nickel. Nickel, nickel, était... Pas facile cette game. Enfin, en vrai, c'est vrai, parce qu'il avait rien pour défendre. En fait, il y a une sorte de rage à la place de son deuxième jeu. Eh, cette sorte de il est pas dégueu, monsieur. Hein. Ouais, il savait jouer au jeu, quoi. C'est ciao. Donc, plus que deux games. Allez, c'est type A. On décline. Decline. Pas comme ça se prononce. Ok, bon, par contre, j'ai une rota pas ouf. Enfin, j'aime pas trop la rota. J'attends un petit peu qu'il voir s'il joue, et s'il joue pas, je pense qu'on peut faire un petit chevalier d'or ici. Ok, DDE, très bien. Ah, peut-être du Molas. Alors, Molas, j'ai free win, par contre. Ok, bon. Alors. Ok, le Kappa. Ah! Ah, c'est très loin d'une free win, alors. Ok, bon, normalement ça défend. Bon, j'ai les Zapis. Là, bon, manque de chance, j'avais pas la rota. Mais Hydreigon, en vrai, ça peut normalement le faire. Hydreigon, ça peut le faire. Ok, petite cage. Très bien. Hop. On est en bouliste. Si on part en bouliste, let's go. Bon, sachant que ça va pas me servir de deux, je vais le jouer. Ah bah il s'en bat les couilles, hein, complètement. C'est ce qu'on peut donc remarquer. Hop, parfait. Et là par contre, non, je vais pas partir. J'ai envie, ça me tâte. Mais je peux pas parce qu'il y a Giant au pont là, donc je peux pas, genre. J'aurais dû. Mais si j'aurais fait, je pense qu'il serait parti Giant au pont. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Est-ce que ça touche au moins? Comment ça touche? On va bon côté des choses, mais bon. Ah, quel prix bon. Alors ça, c'est une bonne chose, par contre, qu'il ait mis ses amis, parce que... Ça va plus être complexe. Okay. On va vite capable, avant que mon chevalier est mort. Ok, parfait. Bon, on a tué l'Idjaya, c'est le plus important. Ok, bon, ça bon, je pars. Il n'y a pas encore son électrogène, normalement. Ok, parfait. Alors là, ce qui me fait un peu chier, j'ai pas voulu le cacher, c'est le Dark Prince derrière, mais c'est pas grave, mais son. Ouais. Ah, c'est terrible, ça touche pas ce que je veux. Putain, mais j'ai pas de chance, hein. Je vais capa ici. Bah, je peux capa? Bah, ouais, je vais pas capa. Ouais, je vais bien sur ça. Putain, j'en ai marre. Je peux affronter les decks avec un cerveau. Bah, gère ma vie, c'est affronter mon deck en vrai. C'est possible, mais ça retourne dans mon deck. Une tornade Dark Prince, et c'est réglé, quoi. Bon, c'est pas grave, allez, hop, on repart direct. Allez, contre Thanos, let's go. Oh, la rota, mais c'est une catastrophe. Pose une mousquetaire. En espérant, en vrai, deux points si ça me dérange pas. Enfin, si, c'est chiant, ouais. Merde, bah du coup je pense pas que ça va me shotter. Ça... Ah ça... Je sais pas. Frère, j'en ai marre d'affronter des gens comme ça là, qui ont deux QI. Double flèche au pont, genre. On est où là?
Il y a une horde aussi. Bah ça c'est chiant par contre. Évidemment. Sinon c'est pas drôle. Hop. Ok, bon. On a défendu. Bon, je sais que maintenant qu'il a... Oh, mais c'est quoi ces decks là? À l'aide. Horde, gang, miroir, fût, flèche. Ah vas-y, ça rend dingue là. S'il vous plaît, donnez-moi des vrais decks. À l'aide. Bon. Ok. On a le boulier, son albourou, là on a ce qu'il faut. Hein. C'est un malade. Je récap en temps normal, mais bon. Il y a un petit soussaï. Mon bourreau va bien faire chier normalement. Mon bourreau va bien le rendre dingue. Bon là il n'y a plus grand chose pour le défendre normalement, j'ai pas défendu son fût. La question c'est ce qu'il va venir voir. Ils sont pas les couilles. Hein. C'est aberrant. Bon, maintenant que je sais qu'il a pas de boule de feu. C'est un malade. C'est un malade. Ok, pas normal, on va faire le taf là. Ok, ça c'est bien. Normalement j'ai un bon bourreau là aussi, normalement. Ouais, c'était sûr. Hop, ça dégage. Petite capa en prime. Hop, cadeau. Joue là celle-ci. Bon là je sais qu'il a un fût, on va juste faire gaffe. J'ai ma tornade. Ok là il est un peu con. Hop. C'est juste ciao. Allez hop, ça dégage. Plus que deux games je crois. Allez hop. C'est ça, plus que deux games. Les gars, je vais être à genre 80% de mes, c'est une catastrophe. Enfin, voire même peut-être moins. Oh, c'est terrible, hein. Allez, contre Alberto. Inch'Allah, il a pas de GR. Ni d'électro-géant. Ça va avoir un deck chiant, c'est sûr. Il a une tête d'avoir un deck chiant, je vois. Bon, je joue quoi, là? Ah, maintenant que j'ai le bourreau, je suis pas mal de jouer des deux first play. Ça d'avoir si peu de chance. Mais les deux le fait sûrement pas chier à mon avis. Je peux le splitter, non? Ouais. Bon alors, prince. Bon, il a un électro sorcier, il a. Oh non putain. Bah il a un deck chiant, voilà. Bah il a même un compteur, mais il a un deck chiant aussi. Hein. Il a un deck bien casse-couille comme il faut. Hein. Parfait. Oh, le bourreau là qui a le dernier coup qui a fait plaisir. Hein. Bon, c'est GMK double prince. Oh, ça, c'est terrible. Hein. Après, les apis se mettent bien dans ce match-up. Ok, D2. Je sais pas ce qu'il va me sortir encore, mais bon, c'est un deck approximativement connu. Il a raté. Hop. Ça c'est très chiant. Est-ce que ça va tuer? Waouh, ça va déglinguer. Bon. MK, voilà, El Famoso. La boule de feu va me faire beaucoup chier en vrai. Je pense que c'est ce qui l'a gagné qui me fait le plus chier. Ouais, mais je suis un connard, bah ouais. Bon, je capaille sur deux, quoi. Je sais pas comment je vais pas ce match-up, hein.
En fait, ma carte maîtresse, c'est les Zapis, et les Zapis, il est à bout de feu, donc... J'ai pas chauve-souris, normalement. Il y a sûrement Prince. Enfin, comme... Je m'en doutais qu'il allait faire un truc comme ça. Ouais, bah, la partie du D2, moi, faudra doser, par contre. Hein. Et là, je sais pas comment je défends. Ah, c'est un D. Mais je vais bien avec Harry, normalement, dans la section. Ouais. Je vais faire un petit truc comme ça, ça peut être pas mal. Par contre, est-ce que je peux avoir un peu de chance, s'il vous plaît? Bah, je lose, hein, je peux rien faire. J'ai zéro la casse, ah bien. Hein. Est-ce que je peux peut-être... Je peux en laisser un seul tour de droit, hein, mais je... Je peux rien faire, hein, vraiment. Je vais jamais passer champion suprême, je vous jure, les gars, ça fait genre peut-être... 2 heures sans abuser, je suis en train de rush et je fais 1-1 ici, genre j'arrive pas à monter plus de marches. Ça fait vraiment 2 heures, forcément. Oh non, me dis pas de l'expo, s'il vous plaît. Oh, si c'est de l'électro-géant, c'est terrible. Hein. Électro-géant bombeur, c'est catastrophique. Hein. Ouais, c'est ça, putain. Bah, il a recruteur, vas-y, je peux avoir un bon match-up, s'il vous plaît, j'en ai marre de jouer au jeu. Taper des vieux decks comme ça là, fatiguant. Il y a tout pour... Sinon, il y a tout pour défendre. Il y a un ami aussi, je suppose. Allez, let's go, petite mamie sorcière, barricade à bras. Ok. Bah tiens. Quelle surprise. Bah, tu es le genre de beurre quand même. Merci. Voilà, nickel. Enfin, vous faites un peu de dégâts. Bon. Par contre... Non, d'abord. Par contre, chevalier d'argent à Robert pour un électro-géant, quand il met sa tornade avec son électro-géant, ça va être sympathique, hein. C'est de la vie. Je mets une boue du coup. Bon. Ça va être le moment très skill là, hein. Je vous l'annonce. Vous allez pas y croire, vraiment. Impossible de y croire, vous allez voir. Voilà, ça part de là. Voilà. Ça, c'est du move skill, ça. Il y a un TNG au pont, vous allez voir. Voilà. Bon, ça, c'est vrai, je suis un bon crocheteur. Je suis content. Ça va, parce que j'ai pas besoin de trop défendre comme il y a déjà un million de trucs sur le terrain. Il a retenu terminé, vous êtes hein. Oh, vous êtes. Allez, Inch'Allah, comme disent les Bretons, ça peut... En vrai, là, j'ai un bon match-up. Normalement, j'ai un bon match-up, logiquement. Avec un peu de chance. J'y crois, vous savez, j'y crois. Wow. Ça, c'est un move très skill, aussi. Hein. Après, la débat, c'est 13, hein, qui one-shot du coup pas les squelettes 14. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon. Voyons ce qu'on peut faire. Il a une tornade. Ah non. Putain mais what? Mais dans quel monde on vit là? Mais mineur bouliste. Qu'est-ce que c'est ça aussi là? T2 aussi, on n'est jamais dans la vie de ref. Hein.
Bon, j'aime bien tuer la T2, ça me fait un peu chier, je vous avoue. Et je vais essayer de forcer, peut-être, voir ce que ça donne. Sur un éventuel braquage. Et je vais forcer, je m'en vais plus, je force. Très pas. Ok, on boulisse, là, il fait masse dégâts, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, 2000 à HP, ça c'est une bonne nouvelle. Peut-être, là, peut-être. Peut-être. Peut-être le champion suprême. Ah non, il manque une game après, c'est... putain, je suis... Bon bah, peut-être, peut-être qu'il manquera une game pour le champion suprême. Ouais, la game. Du coup. Ah, il y a un Zapis, il a décidé, bah, c'est pas sa guerre. Hein. Alors, Boulis, Princesse, Mineur, Chauve-Souris, Mini PK. Ouais, je sais pas pourquoi je sens que ça pue, ça. C'est une espèce de ballon gel. Un peu bizarre, genre. Tenter de précharger les chauves. Mais pas Chauve-Souris. Il y a une T2 et un poison, bah, bien sûr. J'y avais pas pensé. Si, un Mineur. Ouais. Ouais, c'est un Mineur poison. Ok. J'attendais beaucoup de choses, hein, mais alors pas ça du tout. Ah mais c'est un Mineur poison spécial, on va dire. Bon, alors. Ouais, je pense que ça c'est free win. Je peux pas m'avancer, hein, mais je pense que peut-être. Il a racheté. Il a racheté, c'est officiel. Et ça, vous savez pas à quel point ça me délibère, parce qu'il manque une game et je suis encore jamais à ce point. Là, c'est mon plus beau pic de la saison. Let's go. Bon, alors, il nous manque une game. Putain, il monte avec ça, lui. What the fuck. Ok, la last game. La last game avant le champion suprême de ref. J'espère. Ok, ça m'arrange parce que déjà il y a des badges éclatés au sous-sol. À pas se le cacher. J'espère que c'est bien un mec éclaté au sous-sol. Et ça commence très bien, c'est bien. J'ai cru que j'avais atteint le plaçant. Pourquoi j'ai activé un capa? Ok, bon. Dans tous les cas, ça va pas changer grand chose. Ok. Est-ce que. Ah, c'est du cochon reine. Cochon reine, ça dépend s'il joue bien. Ça fout le défense s'il joue bien. On va voir s'il défend bien cimetière. Test. Ok, il est pas très fort. Il est vraiment pas très fort. Alors moi je dis ça, mais à tout le monde je me fais détruire hein, pour de vrai. Oh bah tu casses les couilles. Voilà, fallait que j'annonce. Oh non mes frères, tu. Oh tu rends fou là. Ah, ça tue mon cheval d'or, ça c'est chiant. Bon, le problème c'est qu'il a recyclé. Et moi j'ai pas recyclé. Enfin, en vrai, c'est pas, j'ai bourreau tornade, ça va. C'est pas grave, ça me ferait un peu chiant au moins. Faut bien écouter les choses. Là, ça, là j'ai push. Ah, si mes sarènes, il y a un peu. Oh, ok, j'ai pas sarènes. Il y a un monde où je dégage ou un truc comme ça. Mais... ouais. En fait, il a hâte de savoir défendre. Ça me pose problème, ça. Genre, il sait que ça défend un cimetière, quoi. Souci. Ça pète pas le canon. Ah, mais fils de pute. Ah, par contre, il est trop chiant à faire ça. Et je suis même pas assez gratté. Alors, en fait, pour l'instant, là où il est pas intelligent, c'est qu'il joue pas double line. Ouais, c'est ce qui me fait plus chier, double line. Est-ce qu'il y a à le comprendre, ça? Giga plus, on peut quand même être trop tard. Bon, séisme bûche, ça défend trop bien le cimetière, hein. Je suis désolé, mais là, je vais genre juste me faire éclater, hein. Ouais, je comprends pas pourquoi il essaie de partir au script absolument.
Il y a juste à partir opposé. Bon, par contre ça marche pas tout le temps, genre, ça y est, quoi. Enfin bref. On va pouvoir mettre le bourreau. Hop. Là, va... Ok là, le petit coup il fait du bien là, je vous avoue au moral. C'est pas grand chose là, hein. Ça fait du bien. Ok, la petite capote qui peut être carry là. Ok, bon nickel, ça l'a mis un coup, ça c'est bien. Ok, bon. On va mettre le D2. Okay. Faire ça pour apprendre deux coups, évidemment. Faut que je tente le jeu le prochain push. Ah, mais il casse les couilles à faire ça. Ok, là il y a un monde. Peut-être que j'arrive à passer, genre. Ah, mon bouliste, il fait pas le travail. Ok, ben il a paniqué là, ça c'est une bonne nouvelle. Ok. Normalement, il a pas recyclé son colis encore. Ah, bon. Peut-être un peu chier dans la colle là. Ok, bon. Un grand dingue ce foutu truc là. Ok, un petit coup, ça c'est cool. Je vois pas un boulis, ça faut pas, je me. En fait, faut juste pas qu'il me touche là maintenant. Faut juste plus qu'il me touche. Je suis trop proche du but pour qu'il me. Pour perdre. Oh, let's go les gars. Jusqu'à la dernière seconde j'ai vibré là. Oh chien, mange toi, graille, graille, graille. Bon, on va juste découvrir mon win rate. Alors là, je pré-shot un petit 78 en vrai. J'ai pas envie de savoir 1700, c'est très bas, c'est très de la merde. C'est quoi mon win rate? Pourquoi j'ai 0 points? Allez. Du coup, j'ai pas mon win rate genre. Bon, bah, on sort pour une raid, mais normalement, je suis à... Ouais, 78% de win rate, c'est ça. 78% de win rate. Bon, bah, voilà, on finit, du coup, officiellement, top 7600 monde. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'était vrai, coup. Ciao, ciao!